Aujourd'hui, les spécialistes s'enchaînent au gosier pour évoquer l'une des complications majeures du diabète, le pied diabétique. Il s'agit en fait d'une neuropathie qui rend insensibles les terminaisons nerveuses du pied. Les patients peuvent alors se blesser, se brûler, sans ressentir la plaie. Comme ils n'ont plus de sensibilité protectrice, ils n'ont plus de système d'alarme qui leur dit qu'ils ont un problème au pied. Donc, ils ont une grosse plaie qui s'infecte et ils continuent à marcher sur la plaie comme si rien n'était, parce que la plaie ne leur fait pas mal. Le patient diabétique doit alors toujours vérifier l'état de ses pieds. Si une plaie apparaît, il doit impérativement porter une botte ou chaussure de décharge pour enlever la pression du pied. Problème, le patient s'en rend compte souvent trop tard et une mesure plus radicale est décidée. Sur les 3 dernières années en Guadeloupe, plus de 300 amputations ont été répertoriées. Les amputations, en fait, arrivent, à mon sens, parce que les patients arrivent bien trop tard et dans des états beaucoup trop délabrés. C'est-à-dire que lorsqu'on voit, donc, effectivement, un patient arriver pour la première fois avec les os du pied à l'air, c'est compliqué de sauver quelque chose, de cicatriser quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on a recours à des chirurgies qu'on dit de sauvetage. Et malheureusement, beaucoup trop d'amputations en Guadeloupe se font dans ce cadre-là, où le patient arrive en état d'urgence. Et pour lui sauver la vie, il faut lutter contre le sepsis et donc amputer la jambe. Pour éviter les plaies, la médecine innove en permanence comme cette machine 3D qui permet de faire des chaussures sur mesure et des semelles orthopédiques parfaitement adaptées aux patients. On fait un essayage dans un système en plastique qui nous permet de déterminer les pressions autour du pied, de façon à ce que la chaussure soit, qui sera réalisée au futur puisse ne pas blesser le patient et être correcte à toutes sortes de chaussures. En fait, le fait d'avoir des chaussures faites sur mesure arrange et améliore le confort du balade et ça préserve un petit peu de toute plaie future et leur permet d'avoir une vie normale avec des chaussures qui paraissent être comme des chaussures ordinaires, dans lesquelles il y a tout le nécessaire pour protéger le pied et éviter toute plaie future. Les pieds diabétiques sont un réel enjeu de santé publique. 11% des Guadeloupéens ont le diabète contre 5% en métropole. Ils causent une amputation toutes les 20 secondes dans le monde.